Des bonbons ou une farce? Bah, il est passé où, petit chou? Petit chou? Petit chou? Oh ah! Gabi, y a un fantôme! Mais non, n'ayez pas peur! Ce n'est que moi, petit chou! Ouf! Tu es un gentil fantôme! Petit chou, ton déguisement fait très peur! C'est très réussi! Merci! J'adore les vôtres, ils sont saupoudrifiques! Alors, Gabi, tu dois être un chat arc-en-ciel! Et toi, Pandy? Tu es... un gros grumeau? Oui, presque. Je suis un monstre à bonbons. Oh! J'aurais dû le deviner. Oh! J'ai la friandise parfaite pour un monstre à bonbons. Tu veux que je te la montre? Une friandise? Moi, je dis jamais non. C'est une banane fantôme. Alors ça, c'est le fantôme le plus délicieux et le plus choupinou que j'ai vu. Après toi, bien sûr, petit chou. Merci, Gabi. Et ce qu'il y a d'encore plus génial avec cette friandise, c'est qu'on peut en fabriquer à la maison. Parfait. Tout d'abord, on prend la moitié d'une banane et on la plante sur un bâtonnet en bois. Ça fait comme une marionnette. Ensuite, on la trempe dans du yaourt à la vanille jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Ça fait plouf, plouf, plouf. Et ensuite, ploc, ploc, ploc. Ça me plaît beaucoup. Et plouf, plouf, plouf. Et ploc, ploc, ploc. Et plouf, plouf, plouf. Et ploc, ploc, ploc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut mettre des yeux sur le fantôme. Hé! Hey, où sont passées mes pépites de chocolat? Pandy! Oups, pardon. Mais j'y peux rien, un monstre à bonbons, c'est gourmand. On prend deux pépites de chocolat pour les yeux. Poup, poup. Poup, poup. Poup, poup. De quoi se lécher les babines à Halloween? Et petit chou? Et quoi? Et petit chou? Et quoi? Qu'aimes-tu faire à Halloween? J'adore concocter de bons petits plats, oui, vive la gourmandise. Tourbillon d'effroi. Cette friandise effrayante va devenir ma préférée à Halloween. Et le monstre va pouvoir se régaler. Dites, ça ne m'a pas l'air d'être une friandise. Je crois bien que c'est un vrai fantôme. Je vous ai encore eu. Vous avez cru que ma queue était un vrai fantôme? Tu nous as encore bien eu, Sacha. Oui, absolument. Je suis même le meilleur farceur de toute la maison. Et vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Alors restez bien à l'affût. Chat plus, Minou. Sacha est rigolo avec toutes ses farces.